Hey yo l'équipe, c'est Rookie. Aujourd'hui, j'ai un petit gameplay à vous proposer avec le fusil à pompe Rifter et notamment les munitions Ball de calibre .410. Elles sont extraordinaires parce qu'en fait, elles ont pris un buff récemment et les dégâts sont carrément augmentés. Et alors, la portée est diminuée, mais pourtant, la portée effective, enfin, dans le jeu, elle est incroyable. Je veux dire, vous pouvez faire des kills jusqu'à 40 ou 50 mètres en étant, en fait, en visée tactique. Donc, je vais vous montrer la position tactique de la visée. Et c'est une arme qui fait très mal. Donc, ça, c'est le class setup que j'ai utilisé. Hein, 30 cartouches, j'étais en solo trio. La poignée inclinée, Bruen Bastion pour tout ce qui est donc dispersion du tir. Le choc Brise Couronne pour tout ce qui est dispersion également. En fait, pour la précision du tir au jugé, quelque part. Le Jack Cutthroat pour tout ce qui est mobilité. Alors je dis ball parce que ça s'écrit en anglais, mais ça se prononce peut-être balle, j'en sais rien. Mais en gros, la visée tactique, la position tactique sur PS5 ou PlayStation, en tout cas, c'est vous visez et vous appuyez une fois sur la touche directionnelle du bas et ça se met comme ça. Et franchement, c'est plutôt assez fort. Alors là, sur mon cas, ça va marcher. Bon, là ça marche pas. Sur les mannequins ça marche pas, mais les mannequins du stand de tir, franchement c'est pas la référence absolue. Parce que parfois avec des snipers one shot, vous les one shotez pas. Et je vais vous montrer le gameplay, j'ai claqué une 18 kills. J'ai claqué une 18 kills, donc. Régalez-vous. Régalez-vous, puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao tout le monde. Soldats ennemis en approche.
Le gaz avance. Nouvelle zone de sécurité établie.